Dieu, je vais un peu essouffler. Attends, littéralement sur comme le toit. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Comme si il y a vraiment des pièces de partout. C'est vraiment incroyable. De pièges, je sais même pas ce que c'était. J'arrive pas à voir. Attends. Oh. Sûrement pour les envoyer parce que là, vous voyez, il y a le bidet juste ici. Un truc de lavabo juste là. Donc ça devait être sûrement pour les employés qui travaillent ici. On en a besoin d'un hôpital. D'autres pareils. D'être sûrement une chambre d'employé. Donc là, le grenier, directement le grenier. Impressionnant. Bon, il n'y a plus rien à le grenier, quoi. Bon, il n'y a plus rien. Près de. Grand chose. En gros, là, le fond, il y a comme plus rien. Il y a plus rien. C'est bien, je crois. Hein? Miroir. Ouais. Miroir. Regarde un peu à quoi ça ressemble un peu tout ça. Et du toit. Voilà. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et je pense qu'on peut même aller là-bas. Attends, j'ai décalé le... en fonction de la caméra. Voilà. C'est vrai que c'est pas hyper, hyper bien évident. Donc là, normalement, il y a notre accès, à notre toit. Je vais voir si on peut pas y aller. On y a deux. C'est vrai que vous vous sentez pas à vous de chez vous, de votre écran, mais je peux vous dire, il caille au taquet, il caille de ouf. C'est impressionnant comme il caille. Il fait au taquet froid. Comme ça, on est en plein milieu de la végétation et tout, comme vous voyez. Je vais souvent montrer. On est vraiment en hauteur. Donc forcément, ça aide pas trop. C'est en mois de janvier. Voilà. Même là, vous voyez, j'ai le gros pull. Pas trop évident quand même. Ouais, il me semble qu'il y a d'autres escaliers là-bas, un peu plus loin. J'en ai vu monter. Il y a une sous-sol aussi. Il me semble que je l'avais vu. J'ai vu qu'il y a comme ça des trucs en bas. Mais ouais, où est l'escalier, honnêtement, je crois qu'il est dans le milieu. Voilà, sombre. Il est dans le côté sombre. Les pièces. C'est quoi? Ouais, le vieux truc ici. Je sens que ça a quand même le vécu du bordel là. Il y a notre escalier juste ici. Donc on
On va aller voir ici. Voir ce que ça mène. Et où ça mène. Et parce que là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais en gros là, il y a la route. Juste là. Juste en haut. Vraiment. Vraiment collé. Et ouais, le lieu, il est grosso modo vraiment paumé. Il est paumé vraiment dans la montagne. Donc là, pareil. Un peu plus grand ici avec toujours pareil le bidet sur mon étage qui était sur ici ou là-bas où ici avec une autre là notre bidet avec un placard donc ça va. Votre bidet, votre placard. C'est impressionnant. Ah oui, c'est quasiment que des salles de bain. Avec des, c'est quasiment. Là, t'as trois salles de bain, avec ici, avec des bidets. Il reste que des bidets, quasiment. Premier meuble que je vois. Tu m'étonnes. Elles sont venues manger là. De quoi ? C'est tentant quand même. De quoi ? De venir manger là ? Ça monte sur toi. Ah, j'ai qu'envie de manger là. Ah, non, ça va. Ça va. Je ne mangerai pas là, non ? Non. Voilà, le train, là. Numéro 5. Une chambre. Ouais, c'est sûrement comme l'autre, comme je disais, sûrement des chambres et tout ça, d'employés, tu sais. Sûrement des chambres d'employés. Et là, c'est des douches. Ouais, c'est des douches, ici. C'est vraiment moisi. On va pas trop rester là. De péremption, les toilettes. Très simple. Moisi, plus simple. Avec maintenant le papier toilette. Et pareil. Ici, pareil, notre chambre, notre. Je sais pas ce que c'est. Notre bidet. Mais là, vraiment. C'est impressionnant.